Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. J'espère que vous allez tous bien. On va s'amuser avec nos oreilles. Je vous invite à tester un jeu qui vraiment est super génial. Un jeu accessible sous iOS avec votre iPhone ou votre iPad. Franchement, testez-le. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors si cela n'est pas encore fait les amis, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche, à venir me rejoindre comme membre sur la chaîne Vision High Tech, et on va tout de suite passer à cette petite vidéo de Sonar Island. C'est parti les amis. Rejoignez cette chaîne. Alors ce jeu n'est qu'accessible aux personnes ayant iOS, donc un iPhone. Et ce jeu est un jeu qui peut être joué par les personnes aveugles, qui peut être joué aussi par tout le monde avec un casque. D'ailleurs, je vous invite à chausser un casque dès que vous mettez ce jeu en marche pour avoir un maximum de sensations. Allez, on ouvre tout de suite le jeu et on voit comment ça se passe. Sonar Island. Sonar Island, S-O-N-A-R, plus loin, I-S-L-A-N-D-S. On l'ouvre. Sonar Island, zone touchée direct. Utilisez le rotor pour activer toucher direct pour cette app. Comme vous venez d'entendre VoiceOver, utilisez le rotor pour activer toucher direct. Connexion, point de tutoriel. On a donc le tutoriel qui apparaît. Cadre d'entraînement. À propos des îles. Donc dès que vous arrivez et que vous entendez ça, vous pitchez de la gauche vers la droite. Vers les îles. Vers les îles. À propos des îles. Cadre d'entrée tutoriel. Écoutons le tutoriel, les amis. C'est parti. Tutoriel. Appuyez deux fois pour sélectionner. Écoutons le tutoriel. Bienvenue sur votre Sonar Island. Je suis heureux. Vous avez trouvé le chemin à travers tous les courants électriques vers votre paradis. Je vais vous montrer que vous familiarisez avec elle. Il y a plusieurs étapes à suivre. Vous entendrez ma voix de points différents de l'île. Pour avancer, appuyez simplement au centre de l'écran et vous ferez un pas. Maintenant, essayez et approchez-vous. On teste. Pour avancer, très bon. Ne soyez pas timide, un peu plus près. Très bon. Pour reculer, faites glisser votre doigt vers le bas et faites un pas en arrière. C'est très utile si vous êtes à proximité d'un objet dangereux. Faites quelques pas en arrière. Zone. Faites glisser votre doigt vers le bas pour reculer. Excellent, pour tourner, vous pouvez maintenant balayer vers la gauche ou la droite. Si vous maintenez le doigt sur l'écran, la rotation se poursuit. On tourne. Nous proposons également une rotation par torsion avec deux doigts sur l'écran ou l'utilisation du gyroscope, si votre appareil en possède un. Ces choix vous définissez dans le menu d'aide. On tourne. Au fait, avez-vous entendu l'oiseau voler ? Oui. Essayez de vous tourner et de le focaliser au milieu. Vous pouvez maintenant faire glisser votre doigt vers très bon. Réessayez. Très bon. Maintenant, essayez d'attraper l'oiseau. Suivez-le en marchant après lui. L'oiseau est échappé. Réessayez un peu plus vite. Alors, une fois que vous êtes entré dans le tutoriel et que vous voulez en sortir, vous faites un double tap avec deux doigts. Sautez le tutoriel. Vous pouvez rejouer le tutoriel à tout moment dans le menu principal. Donc, je pitch. Quitter. Continuer. Quitter. On continue. Carte d'entraînement. On peut donc avoir la carte d'entraînement. Appuyez deux fois pour sélectionner. Je peux vous dire qu'avec un casque
Vous êtes hyper immergé. Eh bien, après le tutoriel, ici dans notre camp de plage est une bonne occasion de former vos compétences et de vous améliorer pour le défi des îles Sonar. Sur cette plage, j'ai caché 3 coffres au trésor et une sortie. Utilisez votre boussole pour les découvrir et collecter les trésors. Soyez conscient des palmiers, si vous les rencontrez, leurs noix de coco tombent et peuvent vous frapper. Pour vous protéger, faites glisser rapidement vers le haut, si vous entendez les noix de coco tomber, pour soulever un bouclier. Vous pouvez quitter cet îlot par la sortie ou appuyer sur le bouton pause en haut à gauche. Et concentrez-vous sur les trésors, car nager dans la mer n'est pas votre objectif. Quittez le jeu. Vous pouvez tout quitter. Continuez. Quittez. À propos des îles. À propos des îles ? Oui, toute l'idée des îles Sonar a besoin d'un peu de réflexion hors des sentiers battus. Si vous vous promenez sur cette île, vous entendrez les différents environnements de chaque île. Si vous vous rapprochez, je vous en dirai plus. Si vous avez terminé, trouvez simplement la sortie ou quittez avec le bouton pause, en haut à gauche. Quittez le jeu. Vous pouvez quitter. Continuez. Quittez. Vers les îles. Prêt à commencer l'aventure, il est récupéré l'horreur. Pour obtenir un accès complet au jeu, veuillez choisir un abonnement. 2,99€ par mois. 29,99€ par an. Vous avez déjà un abonnement ? Restaurez les achats. Voilà donc, pour tester ce jeu, vous avez donc une partie gratuite. Et ensuite, vous pouvez vous abonner. 29,99€ par an. Ensuite, vous pouvez vous abonner pour 29,99€ à l'année. 2,99€ par mois. 2,99€ par mois. Si ce jeu vous a rendu addict, alors vous allez pouvoir vous abonner sans problème à l'année ou par mois. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision High Tech. N'hésitez pas à me montrer et à me dire ce que vous pensez des jeux accessibles pour les personnes aveugles si vous aimez les jeux à sensation audio. C'est vraiment ultra génial de pouvoir jouer dans un environnement audio à 360. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo accessible, bien sûr. Prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine. Salut à tous.